Alléluia. Quel est ton étranger? Alléluia. Éternel oh Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci encore pour ces moments dans ta présence. Que ton nom et ton nom seul soient élevés. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous voulons vous souhaiter la bienvenue encore à ce culte spécial. Aujourd'hui, c'est Vendredi Saint. C'est un jour, pas comme les autres, c'est un jour spécial. Car c'est ce jour-là où le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour le salut de l'humanité. Alléluia. Et ce soir particulièrement, nous voulons élever la voix et dire merci à Dieu pour Jésus, son Fils, qui par amour pour nous est mort à la croix pour que nous ayons la vie. Alléluia. Là où tu es maintenant, élève la voix et commence à rendre grâce à Dieu pour Jésus. Alléluia. Commence à rendre grâce à Dieu pour l'agneau pascal, Jésus-Christ. Alléluia. Celui-là qui est mort, notre mort, pour que nous puissions vivre sa vie. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous voulons juste te dire merci. Merci pour Jésus. Alléluia. Merci pour Jésus, l'agneau de Dieu qui est mort à la croix pour que nous ayons la vie. Oui, Seigneur, nous pouvons le dire grandement ce soir, que Christ est mort, notre mort, pour que nous puissions vivre sa vie. Merci, ô Dieu. Alléluia. Que ton nom soit élevé, ô Dieu. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Allez. Tous ensemble, nous voulons l'adorer et chanter. Alléluia. 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 Alléluia, 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 alléluia. Nous chantons à Alléluia à Jésus. Alléluia au roi des rois. Alléluia à Jésus, notre Seigneur. Alléluia à Jésus, notre Sauveur. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour vous tous qui êtes connectés à ce temps. Amen. Continuez de partager. Amen. Et d'inviter d'autres personnes à venir participer à ce moment avec nous. Mais que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous disions tantôt qu'aujourd'hui est un vendredi spécial. C'est un vendredi pas comme les autres. Alléluia. Et aujourd'hui, ce soir particulièrement, nous voulons prendre le temps de nous souvenir un peu de ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. Nous allons ensuite ensemble partager les 7 dernières paroles du Seigneur Jésus. Et nous allons finir notre temps en prenant part à la table du Seigneur. Amen. C'est un culte avec Sainte-Sainte. Et nous voulons encourager toutes les familles qui nous suivent à se procurer les éléments, c'est-à-dire le jus de raisin et du pain, et pour qu'ensemble nous puissions participer à la table du Seigneur avant, vers la fin de notre temps. Gloire à Dieu. Amen. Nous disions tantôt qu'aujourd'hui c'est vendredi. Alléluia. Et nous appelons ce vendredi-là le vendredi saint. Amen. Et j'aimerais partager avec nous juste une petite exhortation que j'ai juste intitulée « Good Friday ». Alléluia. Que quelqu'un dise après moi « Good Friday ». Alléluia. « Good Friday », en fait, c'est le vendredi saint chez les anglophones est appelé « Good Friday ». Alléluia. Et c'est ce dont j'aimerais parler un peu ce soir. Amen. « Good Friday », ça veut dire « un bon vendredi ». Alléluia. « Un bon vendredi ». Ce vendredi est spécial. Amen. Parce que ce vendredi-là, il y a plus de 2000 ans,
décrit les événements qui ont conduit à la mort de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et ce jour-là, nous prenons le temps pour nous souvenir de ce que Christ a enduré, ou ce qu'il a dû endurer, alléluia, pour le salut de l'humanité. Nous parlons de Vendredi Saint, nous parlons de Good Friday, car c'est ce jour-là où le Seigneur Jésus a été arrêté. En fait, la veille, il fut arrêté, c'est-à-dire jeudi soir. Il a été conduit devant le souverain sacrificateur où il a été jugé de manière illégale. Et pendant toute la nuit, Jésus fut maltraité, battu et humilié. Non seulement fut-il maltraité et humilié, mais Jésus fut trahi par Judas, qui était un de ses disciples. Il a été renié par Pierre et abandonné de toutes ces personnes-là qui le suivaient. Alléluia. Nous nous souvenons de ce temps-là comme le Vendredi Saint ou comme Good Friday. Amen. Parce que le vendredi qui a suivi, le jeudi de son arrestation, il fut conduit devant Pontius Pilate, qui était le gouverneur de l'époque. Et après être comparu devant Pilate, il a été battu encore plus. Amen. Et l'on nous dit que le fouet avec lequel Jésus a été battu était un fouet qui était tissé avec du fer. Et à chaque fois que ce fouet-là, son dos était frappé, une partie de sa chair était arrachée. Alléluia. Et son sang a coulé. Amen. Nous nous souvenons de ce vendredi-là, le Vendredi Saint, car c'est ce vendredi-là où Jésus a été couronné d'une couronne d'épines. Sa tête a été percée et le sang a coulé sur son visage. Nous nous souvenons de ce vendredi-là parce que c'est le vendredi-là où Jésus a été placé sur la croix. D'abord, une croix fut placée sur lui et il a dû porter cette croix dans l'état dans lequel il était. Il a porté cette croix jusqu'à cette colline-là, appelée la colline du crâne, qui est aussi appelée Golgotha. Alléluia. Nous nous souvenons de ce vendredi-là parce que c'est ce vendredi-là là où Jésus a été littéralement mis à nu. L'on lui a arraché tous ses vêtements et il fut alors cloué à la croix, ses mains et ses pieds. Nous nous souvenons aussi de ce vendredi-là parce que c'est ce vendredi-là là où Jésus perché à la croix. Alléluia. A porté sur lui tous les péchés de l'humanité, toute la culpabilité de l'humanité et toute la honte de l'humanité. C'est ce vendredi-là où Jésus a payé le prix. Nous nous souvenons de ce vendredi-là parce que c'est ce vendredi-là que Jésus est mort sur la croix. Et ce qu'il a fait, il a fait pour vous. Ce qu'il a fait, il a fait pour moi. Et ce qu'il a fait, il a fait pour la création tout entière. La Bible dit, quel type d'amour est cela qu'un homme meurt pour un autre? Christ n'est même pas mort pour ses amis, mais il est mort pour les hommes qui vivaient dans leur voie pécheresque et dans leur rébellion. Oh, quel amour! Bien-aimés, nous nous souvenons de ce vendredi-là parce que Christ a fait tout ce qu'il a fait. Christ a enduré tout ce qu'il a enduré. Christ est mort à la croix. Christ a saigné. Christ a pris sur lui la honte. Christ a pris sur lui notre culpabilité. Christ a pris sur lui notre jugement. Et Christ est mort. Alléluia. Et en le faisant, il ne l'a pas fait pour lui.
En le faisant, il a fait pour moi. En le faisant, il a fait pour toi. Et c'est pourquoi ce vendredi saint, il est bon que nous prenions une minute pour refléter sur ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. Il y a un chant que j'aime bien que nous chantions aux États-Unis qui dit « Que le péché me tenait en captivité et demandait une rançon. Mais mon Dieu qui paye la rançon, Jésus, lui, il a payé le prix pour moi. » Alléluia. Le chant dit « Sin held me captive and demanded a ransom. » But my ransom paying God, Jesus Christ, the Redeemer, he paid the ransom for me. Alléluia. Mon Dieu de la rançon, lui, il a payé la rançon pour moi. Et là où vous et moi, nous méritions la mort et la colère de Dieu, Christ, au travers de son sacrifice, nous donne la vie. Et c'est pourquoi ce jour est si spécial. C'est pourquoi ce jour est si saint. C'est pourquoi ce jour est si particulier. Alléluia. Quand nous nous souvenons de ce que Christ a fait à la croix, de ce qu'il a enduré pour nous. J'aimerais que chacun de nous prenne ne serait-ce qu'une minute. On va chanter un chant. Alléluia. Et prenons le temps de, quelqu'un dirait cogiter, mais disons, prenons le temps de réfléchir sur le sacrifice de Christ à la croix. Alléluia. Ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour le monde entier. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yes, Lord. Merci Alléluia. Amen. Bien-aimé, cette terrible souffrance que nous venons de décrire et cette mort horrible que Christ a endurée en ce vendredi saint, il y a plus de 2000 ans, est appelée dans le monde anglophone Good Friday. On ne dit pas vendredi saint, on dit bon vendredi. Alléluia. Bon vendredi. Et je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a de bon dans un événement comme celui-là? L'on est à même de se poser la question de savoir, qu'a-t-il de bon dans toute cette souffrance que Christ a endurée? Dans cette mort horrible que Christ a connue? Eh bien, ce qu'il y a de bon dans Good Friday ou Bon Vendredi, c'est que Christ, au travers de sa mort et de toute sa souffrance, a accompli une ou deux choses pour vous et moi. Et c'est pourquoi on a une raison de dire Good Friday. Alléluia. Amen. La première, c'est que Christ, de par sa mort et sa souffrance et son sang qui a coulé à la croix, amen, nous a expié de nos péchés. Alléluia. La Bible l'appelle l'agneau expiatoire.
Vous comprenez, expier, c'est le mot en anglais propitiation. Propitiation. Ça veut dire, expier, c'est satisfaire la colère et le jugement de Dieu. Il dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 2, que Christ est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. La Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 9, verset 22, que sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alléluia. Vous et moi, nous avions besoin de quelqu'un qui allait verser son sang pour satisfaire la colère de Dieu. Et la seule personne qui soit qualifiée à le faire, c'était Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et c'est au travers de son sang que nous sommes quoi? Expiés de nos péchés. Et à cause de cela, nous pouvons dire Good Friday. Alléluia. Deuxièmement, Christ, au travers de sa mort, nous a rachetés du péché. Amen. Racheter, ça veut dire libérer de la captivité par le paiement d'une rançon. Libérer de la captivité par le paiement d'une rançon. Et dans le cas de figure que nous avons, Christ nous a rachetés, non pas au prix de l'or ou de l'argent, mais il nous a rachetés au prix de son sang. Et parce que Christ nous a rachetés, nous ne sommes plus esclaves, ni à la peur, ni au péché. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, les versets 18 et 19, que nous avons été rachetés, non pas par les choses périssables de ce monde, mais par le sang précieux de Jésus. Alléluia. Que quelqu'un dise après moi, Good Friday. Amen. Mais troisièmement, non seulement Christ, de par sa mort, nous a expiés du péché, Christ, de par sa mort, nous a rachetés, mais troisièmement, Christ, de par sa mort, nous a réconciliés avec Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que quand il est mort, si vous vous rappelez dans le livre de Matthieu, la Bible dit, le voile, la ligne de séparation, le voile fut déchiré. C'est-à-dire que le voile qu'il y avait entre le lieu saint et le saint des saints, là où il y avait la présence de Dieu, étant déchiré, ça veut dire que nous avons un libre accès à la présence de notre Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. Au travers de sa mort, nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est pourquoi Hébreux chapitre 10, les versets 22 à 24 nous dit que nous avons maintenant une voie nouvelle qui nous a été ouverte par le sang de Jésus dans la présence du Père. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous pouvons venir avec hardiesse, avec assurance dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au travers du sacrifice de Christ, nous sommes quoi? Réconciliés avec le Seigneur. Dis après moi, Good Friday. Quatrièmement, et j'aurai fini, amen, au travers de la mort de Christ, amen, le Seigneur alors nous offre gratuitement le salut. Alléluia. Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est la délivrance du péché et de toutes ses conséquences. Amen. Au travers du sacrifice de Jésus à la croix, de la mort qu'il a endurée pour vous et moi, nous sommes sauvés. Amen. C'est-à-dire, nous sommes délivrés du péché et nous sommes délivrés des conséquences du péché. Amen. Donc, quel est le message de la croix pour nous? Jésus nous offre ce message d'espérance au monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. Et que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Alléluia. Car le Fils de Dieu est venu, non pas pour condamner les hommes, mais pour que les hommes, au travers de Christ, parviennent au salut. Alléluia. Amen. Il a donné sa vie à la croix. Il a enduré la croix
pour que vous et moi, nous ayons l'opportunité de recevoir le salut. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir et qui dit, mais pasteur, comment puis-je recevoir le don du salut? Un, répands-toi de tes péchés. Deux, mets ta confiance en Jésus comme étant ton sauveur. Et trois, confesse Jésus comme étant ton Seigneur et ton sauveur personnel. Alléluia. Au travers de ces trois choses-là, si maintenant nous sommes prêts à nous repentir de nos péchés, si maintenant nous sommes prêts à mettre notre confiance en Jésus et confesser Jésus comme le Seigneur de notre vie, alors nous allons expérimenter, nous allons recevoir le salut que Christ nous donne de par sa mort. On parle de Vendredi Saint, mais on parle aussi de Bon Vendredi. Parce que c'est ce vendredi-là, là où il est mort, où nous avons été expiés de nos péchés, c'est ce vendredi-là, là où il est mort, où nous avons été rachetés, c'est ce vendredi-là, là où il est mort, que nous avons été réconciliés, et c'est ce vendredi-là, là où il est mort, que nous avons reçu le salut. Et ce soir, si vous m'écoutez, vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et comme votre Sauveur personnel. En ce bon vendredi, en ce vendredi saint, l'Éternel veut vous donner l'opportunité de recevoir Jésus dans votre vie et dans votre cœur. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de confesser vos péchés, c'est de renoncer à vos péchés, c'est de mettre votre confiance en Christ et de le confesser comme étant votre Seigneur personnel. Alléluia. Priez avec moi. Seigneur Jésus, ce soir, je viens vers toi. Je reconnais que tu as donné ta vie à la croix pour moi. Je reconnais aussi que je suis pécheur. Et si j'étais mort dans mes péchés, je serais allé en enfer. Mais Jésus, à cause de ton amour pour moi, tu as donné ta vie. Tu es mort à la croix. Tu as versé ton sang pour me donner la vie. Seigneur Jésus, ce soir, je te confesse comme étant mon Seigneur et comme étant mon Sauveur personnel. Merci Seigneur pour le salut de mon âme. À partir de ce soir, je ne veux plus vivre pour moi-même Seigneur, mais je veux vivre pour toi. Merci ô Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Et bien aimé, si vous avez fait cette prière pour la première fois, sachez que vous êtes sauvé. C'est la raison pour laquelle Christ est mort à la croix, pour nous racheter, pour pourvoir l'expiation pour nos péchés, pour nous réconcilier avec le Père, mais pour que l'humanité tout entière ait l'opportunité de recevoir le salut. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Merci ô Dieu. Nous voulons préparer nos cœurs pour participer à la table du Seigneur maintenant. J'aimerais nous encourager à préparer les éléments, c'est-à-dire le pain qui représente le corps de Christ qui a été brisé à la croix pour nous. Et le jus des raisins qui représente le sang du Christ qui a coulé pour que nous soyons délivrés de la malédiction de la loi. Alléluia. Amen. J'aimerais encourager les uns les autres à préparer déjà les éléments. Et pendant que nous le faisons, le pasteur Kadi viendra pour partager avec nous rapidement les sept dernières paroles du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est un temps de recueillement maintenant. Amen. Nous voulons chanter et partager ensemble les sept dernières paroles du Seigneur Jésus. Et après ce temps de partage, ce temps d'échange, sur les sept dernières paroles du Seigneur, nous allons alors ensemble en participer à la table du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Kadi.
trésor des cieux crucifié. Seigneur, nous voulons te bénir, bénir ton saint nom, glorifier ton nom pour ton amour pour nous, pour Jésus, notre salut. Alléluia. Dans le livre de Luc 23, 34, l'une des paroles de Jésus, l'une des sept paroles, la première, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Notre Seigneur devait passer ce dernier test. Oui, il payait le prix pour notre salut, mais est-ce qu'il pouvait pardonner notre trahison? Est-ce qu'il pouvait pardonner à ceux-là à qui il a fait du bien, ceux-là qu'il a guéri, mais qui ce jour-là disait « Crucifiez-le avec méchanceté ». Le Seigneur veut nous encourager ce soir. Le Seigneur veut nous encourager à regarder dans nos cœurs et à pouvoir pardonner. Alléluia. C'était le dernier test pour Jésus. Il était à la croix. Il fallait qu'il dise au Père « Je paye le prix pour ceux-là. Je n'ai rien contre eux. » Alléluia. J'aimerais que tu prennes le temps et que tu confies ton cœur à Dieu. Je ne sais pas le test que tu dois passer et l'amertume est dans ton cœur. Je ne sais pas cette chose qui te lie, toi, mais c'est le test à passer. À pardonner à ceux qui t'ont fait du tort. À pardonner à ceux à qui tu as fait du bien et qui ne te l'ont pas rendu comme tu l'attendais. Élevons la voix et prions. Seigneur, te rendons grâce. Je te donne mon cœur, Seigneur, afin que tu enlèves de mon cœur toute amertume qui puisse être cachée. Tout manque de pardon ou de rancœur. Qu'aujourd'hui, Seigneur, basé sur ce que Christ a fait à la croix, ô Dieu, que tu me communiques la force qu'il a eue dans cette agonie pour dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus nous demande d'avoir un dépassement, d'aller à une autre dimension. Quittons le domaine des émotions. Parce que Jésus était en plein milieu, il était dans la parfaite volonté du Père. Alléluia.
Luc 23, 43. Il nous dit encore, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Oh, quel sauveur! Lui-même sur la croix promet le salut. Alléluia! Seul Jésus-Christ sauve. Seul Jésus est capable de sauver. Alléluia! Je ne sais pas où tu te trouves, mais le Seigneur veut que tu saches que si tu as le cœur comme ce voleur, si tu as dans ton cœur, tu veux changer de vie, si tu reconnais tes péchés, si tu reconnais que là où tu es, ce n'est pas la bonne chose, et que tu lui fais appel, il est capable de te sauver. Alléluia. Il est capable de te sauver. Pour toi qui nous regardes, qui ne le connais pas. Pour toi aussi qui le connais, mais qui s'est détourné du chemin du Seigneur. Il te dit qu'il est venu pour ça. Il est venu pour sauver l'homme. Il est venu pour délivrer l'homme. Alléluia. Élève la voix encore et prie au Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Car tu es le seul qui puisse vaincre la mort. Tu es le seul capable de vaincre la mort. Tu es le seul qui a vaincu la mort. Et nous venons à toi, Seigneur. Nous voulons profiter de cette semaine, de ce temps, de ce Good Friday. Nous voulons venir devant toi, Seigneur, amener ces âmes qui ne te connaissent pas, comme ce voleur, Seigneur, ceux-là qui veulent changer, mais qui ne savent pas comment faire. Nous venons, Seigneur, oh Dieu, invoquer ton nom dans leur vie, afin que le salut leur soit communiqué, dans le nom de Jésus. Alléluia. La troisième parole du Seigneur qui se trouve dans le livre de Jean 19, 26-27. Il dit, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Alléluia. Cela nous parle de la fidélité de Dieu. Quand Dieu a fait appel à Marie, elle était vierge. Fiancée. Et la Bible dit que Marie a accepté. Et aujourd'hui, Marie allait se retrouver seule, sans son fils aîné, qui prenait soin d'elle parce qu'elle était veuve. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut dire à quelqu'un ce soir, ton labeur d'amour ne sera jamais vain. Amen. Celui qui sert Dieu, sache que ce ne sera jamais vain. Le Seigneur est fidèle. Il ne te laissera pas tomber. Alléluia. Et encore le deuxième point ici. Le Seigneur veut voir ce soir s'il peut te faire confiance comme il a fait confiance à Jean. Il avait plusieurs disciples, mais seul à Jean, il a confié Marie. Il a confié celle-là qui a donné sa vie, je dirais, celle-là qui a accepté d'être le canal pour venir dans ce monde. Est-ce que Jésus peut te faire confiance? Est-ce que Dieu peut te confier son œuvre ici sur la terre? Est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi? Élève la voix et commence à prier. Toi qui étais découragé, sache qu'il est fidèle. Toi qui joues encore, reviens sur le chemin. Engage-toi proprement afin que le Seigneur te confie les choses du royaume. Prions. Qu'est-ce que ça passe? Seigneur, nous prions que tu le fasses, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que tu aies confiance en nous, que tu puisses nous utiliser. Pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, car tu ne faillis jamais. Personne ne te sert en vain. Tu récompenses toujours. Tu ne nous laisses pas tomber. Alléluia.
Matthieu 27, 46, la quatrième parole. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Yes. Le Seigneur souffrait. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a une seule chose qui peut te séparer avec Dieu. C'est le péché. Le péché a ce pouvoir-là de t'éloigner de Dieu. Car c'est à cause de ton péché, mon péché, que ce jour à la croix, le Père s'est retiré du Fils. Je veux t'encourager à te reconsacrer à Dieu. Aujourd'hui, pense à la croix. Pense au sacrifice de Christ et repens-toi. Toi qui ne marches pas droit, aujourd'hui, reconnais que seul le péché peut te faire, peut t'éloigner de Dieu. Jésus nous dit tout le long de la Bible, « Mon Père et moi, nous sommes un. Ce que mon Père dit, c'est ce que je dis. » Ce qu'il fait, c'est ce que je fais. Mais ce jour-là, il a crié. Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le Père s'est éloigné à cause de nos péchés. Que le sacrifice de Christ ne soit pas vain. Reconsacre-toi si tu n'es pas sur le chemin. Un autre engagement envers ton Seigneur. Demande à Christ de te communiquer la force pour marcher dans la crainte de Dieu. Prions. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Purifie-moi, Esprit, par mes corps. Je veux que tu saches que rien d'autre ne peut te séparer de Dieu si ce n'est le péché. Alors, si tu te sens seul, si tu te sens abandonné, que ce n'est pas le péché, je veux que tu saches que Dieu est là. Amen. C'est un silence, mais il travaille pour toi. Amen. Seul le péché est capable de te séparer de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. La cinquième parole, dans Jean 19, 28, Jésus dit, j'ai soif. Alléluia. J'ai soif de ta présence, Seigneur. J'ai soif de toi. Je ne suis pas habitué à cette séparation. J'ai soif de toi. Je veux ta présence dans ma vie. Yes. Alléluia. Est-ce que tu as soif, enfant de Dieu? Est-ce que tu as soif de lui? Mais il ne dit pas « j'ai soif seulement pour la présence de Dieu ». Il dit « j'ai soif parce que je dois accomplir ». Quand la femme est prête à accoucher, elle a très soif. La femme qui pousse à l'hôpital, ses lèvres sont sèches. Elle a soif. Il devait donner naissance à l'église. Il avait besoin de la force. Il devait donner naissance à l'église, c'est-à-dire toi et moi. Il avait soif. Il avait soif encore parce qu'il devait accomplir sa mission. Est-ce que tu sens cette urgence dans tes entrailles? Est-ce que tu te lèves la nuit parce que tu sais que tu dois accomplir, tu dois donner naissance à ta mission, tu dois terminer ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu sens cette soif? Je ne sais pas dans quelle catégorie tu es. Mais quelle que soit la catégorie, Jésus a fait savoir qu'il avait soif. Tu peux dire à ton Père, j'ai soif. Yes. Et il te donnera la force. Pour pousser, tu as soif de sa présence, il viendra. Tu as soif d'accomplir la mission dont il t'a confiée, il te donnera la force pour le faire. Lui seul, Jésus est en train de dire, je ne peux pas être satisfait tant que je n'ai pas fini. Je ne sais pas où tu te trouves, mais élève la voix et commence à prier.
Quel genre de soif as-tu? As-tu soif du Seigneur? As-tu soif de sa présence? As-tu soif parce que tu es en train de donner naissance? As-tu soif parce que tu es presque à la fin de ta mission? Oui, j'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de toi, ô Seigneur. J'ai soif de toi, ô Seigneur. J'ai soif de toi, ô Seigneur. Rends-moi ivre de ton esprit. Yes, Lord. Rends-moi ivre de ton esprit, Seigneur. Rends-moi ivre de ton esprit, ô Seigneur. Rends-moi ivre de ton esprit, Seigneur. Rends-moi ivre de toi, Seigneur. Rends-moi ivre de ton esprit, ô Seigneur. Alléluia. Jean, chapitre 19, verset 30. Il avait soif. Il était en train de donner naissance. Il dit, tout est accompli. Tout est accompli. En anglais, on dit « it is finished ». Et quand tu cherches la traduction, ça veut dire qu'il a amené à la fin un règne. Il y avait un règne. Il y avait un système qui régnait. Et il dit « j'ai amené ce système-là à la fin. Je commence une nouvelle chose. J'ai tout accompli. Tout est fini. » I brought to an end the kingdom of darkness. Yes. Hallelujah. J'ai accompli ce que la loi me demandait pour que l'homme soit sauvé. Moi, j'ai payé le prix. Ce que la colère du Père demandait, j'ai accompli. Donc spirituellement, j'ai accompli. Physiquement, j'ai accompli. Il n'y a plus de chaîne désormais qui puisse te lier. Il n'y a plus de réclamation désormais sur ta vie, quelle que soit la source. Aucune réclamation ancestrale ne peut dominer sur ta vie. Si tu es en Christ, tout est accompli. Tu es libre. Tu es guéri. Tu es délivré. Tu n'es plus esclave. Tu as l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu es enfant de Dieu parce qu'il a payé le prix. Alléluia. Gloire à Jésus. J'aimerais que tu dises merci au Seigneur parce que Jésus a payé le prix. Jésus a satisfait la colère du Père. Alléluia. Il a rendu les hommes libres. Je suis libre. Tu es libre. Alléluia. Tu n'es plus esclave. Je ne suis plus esclave. Aucune chaîne n'est aussi puissante pour me lier ni te lier. Car Christ a payé le prix. Christ a tout accompli. Les chaînes de l'alliance ancestrale sont brisées. Les chaînes de ta famille sont brisées. Tout ce qui vient de ton sang à cause de ton père et ta mère, Jésus a mis fin à cela. Les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Quelle grâce! C'est une joie. Quelle réjouissance de savoir désormais que je marche comme un enfant libre. Libre de tout lien. Libre. Tout est accompli. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as tout fait. Jésus a tout fait. Le roi de gloire
Il a tout fait. Yeah. Tu as tout fait. Jésus a tout fait. Le roi de gloire, il a tout fait. Et pour terminer, Luc 23, 46, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Yes. Jésus disait, c'est vrai que je ne sens pas ta présence, mais je te fais confiance. Je ne sens pas ta présence, papa, mais je te fais confiance. Actuellement, c'est difficile, mais je te fais confiance. Amen. Je ne peux me confier à un autre, car toi, je te connais. Je sais que tu es fidèle. Amen. Je sais que tu ne me laisseras pas tomber. Amen. Je sais que tu veilleras sur moi. Je sais que si je te confie mon esprit, tu es capable de me refaire sortir de cette tombe. Alléluia. Je ne sais pas, avec cette pandémie, d'autres ont perdu confiance. Tu ne sais plus, est-ce que Dieu est là? Parce que le monde entier est paralysé. Je veux dire à quelqu'un, fais comme Jésus. Remets entre les mains du Père ta vie. Alléluia. Remets entre les mains du Père ton esprit, ton âme, ton corps. Yes. Remets entre ses mains car il est fidèle. Il ne change pas. Il est le seul capable de te préserver. Il y a ce chant qui dit, ma vie, toute ma vie, je te donne toute ma vie. Alléluia. Toute ma vie, je te la donne. Car je sais que si je te donne toute ma vie, tu prendras soin de moi. Yes. Alléluia. Yes. Merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci. Toute ma vie, je te donne toute ma vie. Si je te donne toute ma vie, tu prendras soin de moi. Tu ne me laisseras jamais tomber. Si je te donne toute ma vie. Toute ma vie, je te donne toute ma vie. Toute ma vie, toute ma vie, je te donne toute ma vie. Si je te donne toute ma vie, tu prendras soin de moi. Tu ne me laisseras jamais tomber. Si je te donne toute ma vie. Seigneur, c'est notre prière. Nous voulons terminer avec cette confession que nous te donnons toutes nos vies. Entre tes mains, nous donnons tout. Entre tes mains, nous nous confions, Seigneur. Entre tes mains, nous remettons notre esprit, nous remettons nos âmes, nous remettons nos corps, car nous reconnaissons, Seigneur, que tu es le seul capable de nous préserver, le seul capable de nous garder, le seul capable, ô Dieu, de nous protéger. Nous te donnons tout. Nous te donnons tout dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons passer à la dernière phase qui est notre temps de sainte cène. Tu vas préparer ton cœur encore afin que nous puissions entrer dans cette phase. Au nom de Jésus. Amen.
laisser un jour. Amen. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu es toujours là avec moi. Oh, tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu es toujours là avec moi. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu es toujours là avec moi. Oh, chantons tous ensemble. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu es toujours là avec moi. Oh. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu es toujours là avec moi. Oh. Chante avec moi, mon frère, ma soeur. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu es toujours là avec moi. Oh, mon frère, dis-moi, si cela est vrai. Si le Dieu que je loue t'a laissé un jour, jamais. Ma soeur, dis-moi, si cela est vrai. C'est le Dieu que je loue, t'a laissé un jour, jamais. Alléluia. Dans la mort comme dans la vie, Jésus est fidèle. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Éternel bien-aimé, nous voulons ensemble participer à la table du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous dit ceci dans le livre en 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23. Il dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Alléluia. Ce soir, bien-aimés, là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos familles, nous voulons encourager chacun de nous à participer à la table du Seigneur. Que chaque personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur puisse maintenant prendre les éléments. Le pain qui représente le corps de Jésus qui a été brisé à la croix pour nous et le jus de raisin qui représente son sang qui a coulé à la croix pour nous, le sang d'une nouvelle alliance. Alléluia. Que les chefs de famille servent les membres de la famille qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et après que nous ayons tous reçu les éléments, nous allons ensemble participer à la table du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci ô Dieu. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur.
Tu es grand et tu es bon. Merci, ô Dieu, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta grandeur. Merci, Seigneur, pour ta présence même parmi nous maintenant. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Nous allons chanter un chant ensemble à l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Pendant que nous recevons les éléments et que nous préparons nos cœurs à participer à la table du Seigneur. Amen. Amen. Chantons un chant tous ensemble. Gloire à Dieu. Amen. À toi. Humanité. Chante, chante. Si vous connaissez le chant, chantez avec nous. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi. Humanité. Tu n'as pas attendu que je prie à toi. C'est toi qui m'as appelé le premier pour sa part reconnaissance. Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ta ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue. Ton amour, ton salut, ma reconnaissance. Reçois notre reconnaissance, Seigneur, pour ta venue, pour ton amour, pour ton salut. Merci. Merci, Seigneur. Oh. Venue, ton amour, ton salut. Alléluia. Nous allons élever le pain qui représente le corps de Christ qui a été immolé à la croix pour nous. Bien-aimés, pendant que nous mangeons de ce pain, pensons aux souffrances multiples que Christ a endurées en ce jour, il y a plus de 2000 ans, pour nous. Pensons à la trahison. Pensons aux personnes chères qui l'ont abandonné. Pensons à la douleur, les coups de fouet, son corps qui a été meurtri. Pensons aux épines. Pensons aux clous que l'on a mis dans ses mains et dans ses pieds. Pensons à la lance qui a percé son côté. Éternel, bien-aimé, tout cela, Jésus l'a fait pour nous. Alléluia. Il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour moi. Amen. Merci, Seigneur. Mangeons tous ensemble. Merci, Seigneur.
Merci Jésus. Ésaïe 53, verset 3 nous dit, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. Bien aimé. Maintenant même. La Bible dit à la croix. Par les maîtrises de Jésus. Nous sommes guéris. Alléluia. Et c'est pourquoi là où tu es maintenant. Je proclame la guérison dans ton corps. Dans le nom de Jésus. Que toute personne qui est affligée dans son corps physique. Et qui nous écoute maintenant. Je déclare que par le sacrifice de Jésus à la croix, recevez votre guérison maintenant. Recevez votre délivrance maintenant. Recevez Akazima Yakuriaba Santaya. Par l'autorité du nom de Jésus, je proclame la guérison. Quelqu'un qui souffre de maladies chroniques, reçoit sa guérison maintenant dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui a été affecté par le virus, coronavirus, maintenant reçoit ta guérison dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui a reçu un diagnostic de cancer, reçoit ta guérison dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui a une tumeur, les médecins ont déclaré qu'il y a une tumeur dans ton corps. Je maudis cette tumeur à périr et disparaître dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant, là où tu souffres de tension artérielle, d'hypertension, d'hypotension, je proclame la guérison dans le nom de Jésus. Là où maintenant que tu souffres d'infirmité, douleur dans le dos, je veux parler à quelqu'un qui sent des douleurs, Hakazimaya, dans le dos. Maintenant, reçois ta guérison. Je maudis et je commande à toute forme d'infirmité qui s'attaque à ton corps de te libérer maintenant même dans le nom de Jésus. Je proclame la guérison. Que tout ce qui est infirmité te quitte. Que tout ce qui est maladie te quitte. Par la maîtrise de Jésus, tu es guéri. Élève les mains, commence à remercier le Seigneur pour ta guérison. Commence à remercier le Seigneur, commence à remercier le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute maintenant, alléluia, à Casimir, les douleurs que tu ressentais dans ton corps, ces douleurs disparaissent maintenant même dans le nom de Jésus. Je veux déclarer à quelqu'un, tu avais une tumeur quelque part, à Casimir, sur ton corps. Je ne sais pas exactement sur quelle partie de ton corps, mais je déclare maintenant même dans cette atmosphère, à Casimir, de guérison. Je déclare que la tumeur disparaît dans le nom de Jésus. La tumeur disparaît dans le nom de Jésus. Et à Kazimaya, il y a quelqu'un qui est guéri de fibrome. Là où tu es maintenant, reçois ta guérison. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu es le Dieu de miracles. Et tu n'as pas changé. Que ton nom soit élevé, ô Dieu. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Nous allons élever le jus de raisin qui représente le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Ce sang-là qui nous donne une nouvelle alliance en son nom. Alléluia. Une alliance avec de meilleures promesses que celles d'avant. Une alliance qui est basée non pas sur le sang des animaux, mais sur le sang de Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Et parce que Christ a versé son sang, nous déclarons que la malédiction est brisée. Toute forme de malédiction est brisée. Toute malédiction ancestrale est brisée. Tout ce qui est malédiction qui peut se manifester dans ta vie est brisé. Pendant que tu bois de ce jus de raisin qui représente le sang de Jésus, alléluia, crois que tout ce qui est malédiction dans ta vie et dans ta famille est brisé dans le nom de Jésus. Buvons tous ensemble. Alléluia. Élève la voix et commence à remercier le Seigneur. Élève la voix et commence à remercier le Seigneur. Commence à bénir ton Dieu. Alléluia. La malédiction est brisée.
La malédiction est anéantie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci oh Dieu pour ta grandeur, pour ta fidélité. Merci Seigneur. Bien-aimé, élève la voix et bénis le nom de Dieu. Élève la voix et rends grâce à l'Éternel. Alléluia. Nous avons commencé ce programme en disant qu'aujourd'hui est un bon vendredi. C'est le vendredi saint, mais c'est Good Friday. Ça veut dire un bon vendredi. Alléluia. C'est un vendredi que l'Éternel a ordonné pour opérer la délivrance dans ta vie. C'est un vendredi que l'Éternel a ordonné pour opérer le salut dans ta vie. C'est un vendredi que l'Éternel a ordonné pour te donner la guérison. C'est un vendredi que l'Éternel a ordonné pour te donner la victoire. Oh, bien-aimé, ça coûtait la vie de Jésus-Christ. Mais Akajimaya, effectivement, Jésus est mort pour que nous ayons la vie. Et que nous ayons la vie en abondance. Jésus est mort pour que nous marchions dans la guérison divine. Jésus est mort. Il dit au travers de sa mort, je suis devenu pauvre pour que vous, de par ma mort, vous deveniez riche. Élève la voix maintenant. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Car de par la mort de Jésus, aujourd'hui est pour toi un bon vendredi. Aujourd'hui est pour toi un Good Friday. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit célébré en gloire. Merci, oh Dieu. Dieu, alléluia, reçois la louange, reçois l'honneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je sais que notre temps est presque fini. Amen. Donnez-nous 5 minutes encore. Nous voulons juste chanter un chant de victoire. Alléluia. Amen. Un chant de victoire. Parce que bien-aimé, on peut chanter un chant de victoire parce que nous savons que tout n'est pas fini le vendredi. Alléluia. Il y a eu un premier jour, mais il y a aussi un troisième jour qui arrive. Alléluia. Amen. Et nous pouvons déclarer, proclamer la victoire du Seigneur. Car la Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 2, verset 14, que tout comme les enfants participent à la chair et le sang, Jésus lui-même a participé à la même nature pour qu'au travers de sa mort, il détruisit celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Amen. Bien-aimé, au travers de la mort de Jésus, nous pouvons aujourd'hui célébrer Good Friday. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui est pour toi un bon vendredi. Alléluia. Aujourd'hui est pour moi un bon vendredi. Aujourd'hui est pour nous un bon vendredi. Dis après moi, Good Friday. Good Friday. Alléluia. Amen. 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 Juste une minute, on va chanter un chant pour célébrer les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Où est ma? Pour toutes bien-aimé, là où tu es, commence à bénir le nom de ton Dieu. Mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, pour bon salut, reçois ma reconnaissance. Éternel, pour toutes œuvres, mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, pour ton salut, reçois ma reconnaissance. Éternel, pour toutes tes œuvres. Tes œuvres sont grandes, Seigneur. Mon âme bénie. Ton nom, Jésus, oh, pour ton salut, reçois ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Alléluia, gloire à Jésus. Oh bien-aimé, si tu crois qu'aujourd'hui est un bon vendredi, là où tu es, acclame le Seigneur, bénis son Saint-Nom. Alléluia.
Que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. Amen. 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 Je rends grâce à Dieu pour ce merveilleux temps dans sa présence. Alléluia. Amen. Il est bon d'être dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Nous en bénissons le Seigneur pour vous tous qui vous êtes connectés ce soir. Nous croyons que là où vous êtes, l'Éternel vous a visité, l'Éternel vous a fait du bien. Et nous disons à Dieu soit toute la gloire. Souvenez-vous, aujourd'hui, c'est Good Friday. C'est un bon vendredi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Nous nous donnons rendez-vous pour ce dimanche. Alléluia. Pour en dimanche de Pâques, c'est le dimanche de la résurrection. Nous serons déjà en ligne à partir de... À quelle heure on commence? 8h. C'est à quelle heure? 9h, pardon. À partir de 9h, amen. De 9h à 10h15, nous avons notre culte en anglais, amen, entièrement en anglais. Et à partir de 10h30, nous aurons notre culte en français jusqu'à, 11h45. Voilà, 11h45. Gloire à Dieu, amen. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de chacun de vous. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller la lumière de sa face sur vous et soit gracieux envers vous. Que l'Éternel tourne la lumière de sa face sur vous et que l'Éternel vous accorde sa paix. Que dans cette saison, alléluia, de pandémie, que l'Éternel lui-même soit votre bouclier et votre forteresse. Que l'Éternel vous garde, vous préserve, vous, vos maisons, vos familles. Que l'Éternel soit votre pourvoyeur. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu et à dimanche. Hein? Amen. Merci.